direction Poitiers pour cette dernière étape du Tour de Poitou-Charentes avec six coureurs qui ont constitué d'abord l'échappée du jour, Ibanez de Cara Oral, Marcellusi de Green Project, Bonnard de Total Energy, Echt et Lehmann de Human Powered et Yaki de Coratec. Ils ont jusqu'à 4 minutes 20 d'avance sur un peloton mené par l'équipe Uno X de Soren Warrenschold. Au moment d'attaquer le premier tour de circuit de 14 km, eh bien, Ferron et Costiou sont sortis en contre. Ils ont repris Yaki, Marcellusi notamment et Bonnard, mais ce duo de contre a été avalé par le peloton alors qu'il reste encore 13 km sur ce circuit final. Il y avait notamment une bosse de 500 mètres à 8% et c'est là que l'échappée a été reprise à 6 km du terme. Il n'y a plus personne devant, donc on va disputer un sprint final sur cette dernière étape dans les rues de Poitiers. Et finalement, Yuri Leitao, le sprinteur portugais de la Cara Oral, a lancé de loin le sprint, mais il n'a pas fermé la porte et Marc Sarro en profite le long des barrières et devance de quelques centimètres Leitao, troisième Paul Penhoët. Vous voyez le classement de cette dernière étape et le classement général où Soren Warrenschold remporte donc cette 37e édition. Ciao tout le monde!